Un jeune homme de 18 ans a été tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier Pissevin à Nîmes, selon une source policière. Les faits se sont déroulés vers 3h30 du matin. La victime, connue des services de police, a été touchée à l'abdomen et a succombé à ses blessures environ une heure plus tard. Sur place, les enquêteurs ont trouvé une quinzaine de douilles de deux calibres pouvant indiquer que la victime a été ciblée par plusieurs tireurs. La victime, originaire d'une ville extérieure de Nîmes, selon la procureure de la République, a succombé à ses blessures sur place et a été retrouvée sur le trottoir de la rue Lully, tout près du lieu où un enfant de 10 ans a été tué et son oncle blessé. Plus tard dans la nuit, une voiture volée a été retrouvée incendiée. Elle pourrait correspondre à celle des tireurs. La police judiciaire de Montpellier a été saisie pour des faits de meurtre en bande organisée, a précisé la procureure de la République.